mes derniers achats numéro 30. Cette semaine, on se retrouve dans un tout petit numéro parce que j'ai fait quelques achats et j'avais envie de vous le faire maintenant parce qu'il y a un truc assez gros où je voudrais vous le faire en unboxing pour pouvoir vous le présenter. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je fais ça rapidement parce que j'avais envie de tourner la vidéo. Alors, on a des jeux et un accessoire et deux petites figurines et une console. Oui, encore. On va commencer par les jeux. Un jeu que j'ai commandé sur eBay, c'est Attack of the Saucerman. Voilà. Un jeu qui m'a l'air bien pourri, que j'ai vu grâce à une page Facebook, que j'ai payé 7 euros. Où déjà les frais de port sont compris dedans. Voilà. L'étiquette du magasin, je fais de la pub, il mérite. Parce que franchement, la boîte est nickel chrome. Bon, il n'y a pas la notice, c'est pas grave. Mais franchement, pour un petit Yoshi, c'est sympa. Je suis content. Après, je suis allé faire quelques achats dans un Easy Cash. Et même, il manque un jeu, je sais pas où il est, il est là. Dans un Easy Cash, j'ai pris que. Il n'y a que ça. J'ai un doute. J'ai un doute, ma couille. Alors, attendez. Alors, je suis allé dans un Easy Cash et j'ai trouvé 5 petits trucs. Déjà, on commençait par deux jeux Super Nintendo. J'ai pris James Bond Junior sur Super Nintendo. Un jeu que j'avais vu le JDG tester. Ça m'a donné envie de le tester pour voir. On verra bien. Oui, aussi, ça peut être sympa. The Adventure of Mighty Max. Je sais pas comment on dit, j'ai du mal en anglais, moi. Voilà. Pour 4,99€ le jeu. Même prix pour le James Bond Junior. Sur Mega Drive, j'ai trouvé Tiny Toon pour 4,90€. Voilà. Un jeu que vous verrez aussi en Eyoshi prochainement. Ça me fait plusieurs Eyoshi comme ça. Pour un mois, j'ai au moins 4 jeux sur différentes consoles. Et là, j'étais vraiment content d'avoir trouvé ça. Les boîtes sont nickel chrome. C'est un prix pas cher, franchement. Pour 7 euros, j'ai trouvé un jeu en boîte sur Game Boy Color. J'ai pris Mickey Racing Aventure. Et regardez, il est nickel chrome. Il est complet. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir. Mais il est complet. Notice, jeu, tout ce qu'il faut. Tous les petits papiers, la cale. Alors ça va aller bien dans ma collection. Protégé. Et le deuxième, c'est sur Game Boy Color aussi. Titi et Gros Minet. Déjeuner en cavale. Pareil, au même prix. Et il est complet aussi. Notice, jeu, il est nickel chrome. Après, j'ai fait un petit tour à Leclerc. Et c'est là où j'ai craqué. On va commencer par le jeu. C'est Motostorm Apocalypse. Pour encore sous blister pour 15 euros. Voilà, un jeu essentiel que j'avais pas. C'était un des premiers jeux qui était sorti sur la PS3. Un des jeux qui était sorti sur la PS3 il y a bien longtemps. Et ça fait longtemps que je le voulais. Je suis très content. Et sur eBay, j'ai pris autre chose. Et sur eBay, j'ai reçu quelque chose d'autre que je vais vous montrer. C'est un accessoire que j'ai commandé il y a longtemps, il y a 2 mois minimum. Et ça met un petit temps pour revenir. Je l'ai payé 26 euros, un truc comme ça. J'ai noté ça sur mon Facebook, je sais plus. C'est une manette PS3 blanche. Je la trouve super classe. Sauf, je suis très très déçu du revendeur. Parce que regardez, la boîte, elle est complètement défoncée de partout. Bon, vous me direz, la boîte, on s'en fout. Mais quand même, ils auraient pu faire un minimum d'effort. Alors, ça vient du Japon, hein. Comme ça fait de la route. Mais quand même, ils auraient pu faire un minimum d'effort. Parce que moi, quand j'avais commandé Ocarina of Time, c'était pas abîmé comme ça. Ils auraient pu le protéger du bulle, d'un carton, ou je sais pas. Et franchement,
C'était d'un sac jaune, je l'ai encore, il est dans la poubelle. Mais franchement, très déçu. Enfin voilà, je suis content. Et le craquage, mais vraiment, quand je dis le craquage, c'est le craquage. C'est une console portable. Et c'est un, je sais pas, on pouvait dire une promo, ils appellent ça une promo, une... Je suis d'accord avec mon ami Patrice Porto qui me dit que c'est pas vraiment une promo. Hein. Ils offraient deux jeux avec, parce qu'en fait, ils sont pas en boîte, les jeux sont dans une petite pochette plastique, donc ça c'est pas grave. Ou qu'ils avaient eu en loose par le revendeur. Pas le revendeur, mais le fabricant, je pense. C'est ce qu'elle m'a dit, Adam. Ou ils savaient pas quoi en faire, sinon ils les donnaient comme ça. Et ils auraient préféré en donner deux si on achetait une console. Et la console, je me suis lâché. J'ai pris la PS Vita. Alors c'est pour ça que j'attendais de faire la vidéo avant de vous faire le unboxing. Comme ça, je vous fais le unboxing. Et c'est la version PCH 1004. Enfin, c'est la première version, je crois. On m'a dit que c'est la meilleure. Hop. J'ai pris deux jeux avec. Alors, c'est une version normale. Hein. Voilà. Ce truc, je sais, il n'y a pas de carte mémoire avec, c'est une carte mémoire spéciale. Mais ça vaut la peau du cul. Voilà. Je suis très content. Alors, je vous en ferai un petit unboxing sur ça. Et j'ai pris deux jeux. Qui bah, en fait, c'était une seule boîte. J'ai pris Epic Mickey 2, The Power of Two. Voilà. Que j'ai aussi sur. Oh, je l'ai sur quelle console celui-là? Je crois que je l'ai sur une autre console. Je crois que je l'ai sur Xbox. Et j'ai pris The Ratchet & Clank Trilogy. Ouais, que j'avais commencé sur PS3, comme ça, pour triper. Qui m'a l'air super sympa. Voilà. Et en petite figurine, comme vous savez, je fais collection. J'ai commencé la collection de Marvel Échecs. Je trouve les figurines très belles. J'ai reçu Iron Man et Wolverine. Voilà. Et les deux, je crois l'abonnement, les deux avec les cadeaux que j'ai eu, parce que j'ai eu trois petites lithographies, j'ai eu. Je sais tout. Ouais, et les deux fascicules pour 10€ en total. Voilà, je trouve ça bien, je trouve ça raisonnable, à mon avis. Et je me suis pris une petite figurine qui est juste là. Elle est vraiment. Voilà, c'est One Piece. C'est Lucky. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Voilà. Ce truc, c'est qu'elle ne tient pas. Et ça me gonfle. Elle est toute petite, elle est minable. Voilà. Je vais vous répéter ce que j'ai acheté. Attack the Sosaman sur eBay pour 7€. Tiny Toon pour 4,90€ sur Mega Drive. James Bond Junior sur Super Nintendo pour 4,99€. The Adventure of Mighty Max pour 4,99€ sur Super Nintendo. Des jeux que vous verrez en Eyoshi prochainement. Sur Game Boy Color, j'ai pris deux jeux en boîte complet, nickel, chrome, neuf, comme neuf, pour 6,99€, j'ai arrondi à 7€. Voilà. Sur PS3, Motostorm Apocalypse, pour 15€. Une console PS Vita, d'où j'ai pas dit prix, pour 599€ avec les deux jeux. Voilà. Tant pis, hein, c'est vraiment tant pis, les jeux en pochette comme ça. C'est pas grave. Et puis les deux petites figurines de Marvel pour le jeu échec. Voilà. J'ai acheté que ça pour ce mois de mars. C'est pas beaucoup, je sais. S'il y a plus, ben, vous aurez ça pour le mois d'avril. On est, je dis mois de mars, mais bon, on est fin février. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. La fin du résultat pour le prochain. Non, les résultats pour le prochain Let's Play, rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez continuer à voter, le lien sera dans la description de la vidéo. Ça, je vous fais confiance. Et puis c'est tout. Puis, de toute façon, je sais pas quoi dire d'autre.
Si dédicace à mon pote Wade Wilson et à Keisuke. Voilà, j'ai choisi deux personnes, ça sera ces deux personnes-là, Keisuke et Wade Wilson en dédicace. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous aura plu. Ciao !